Good morning, Aleiden, les tutres. Aujourd'hui, les Lunishmat, Peggy Batester, les Elisabeth Frechaz, Arbet Mazatov, Chichportich. Si vous souhaitez vous aussi d'aider la prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perikhe Mishnah. Hey! Im Matsulu Zhut Ptahuhum. Ve im lav, ma'avirin dino le machav. Ayum is davgin zugot zugot, ou me matin be ma'achal. Ve lo yushotin yain kol ayum. Ve nosin ve nontin kol alayla. Ou le machorat, mashkimin ou bain de bet din. Ou bain de bet din. המזכה אומר, אני מזכה ומזכה אני במקומי. והמחייב אומר, אני מחייב ומחייב אני במקומי. המלמד חובה, המלמד זכות, אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור וללמד חובה. טעו בדבר, שני סופי הדיינים מזכירים אותן. אם מצאו לו זכות, פטרו הוא, ואם לאו, עומדים למניין. ז'רת לה ללקטור, נופרה לסוויט, אנסוויט, בסדר, נתחול לו, ומשנה עליר תודנקו. On en était donc, on continue la procédure du jugement après avoir reçu les témoins, après avoir débattu, comme on avait appris dans la Mishnah précédente, qui pouvait plaider, qui pouvait inculper, qui avait le droit d'intervenir pendant les débats des juges. Alors, à la fin des débats, on commençait à estimer quelle était la tendance. Et Matsulos Rut Ptarou, si toutefois on avait les juges qui étaient tous capables de dire. Je ne sais pas si tous, si c'est la majorité, je n'ai pas vu que c'est précisé. En tout cas, on a la plupart des juges qui sont prêts à disculper complètement, à dire qu'il est complètement innocent dans cette histoire. Alors ça y est, on ne va pas traîner plus longtemps, on dit, tu es acquitté. Et il sort du bedin et c'est fini, d'accord? Par contre, Ve'im Lav, si toutefois on est en train de réaliser que ce n'est pas évident, les avis sont partagés, plusieurs juges tendent à condamner, donc il va falloir maintenant trancher selon la voix de la majorité. Qu'est-ce qu'on fait? Ve'imlav ma'avirin dino le machar. On reporte la sentence jusqu'au lendemain. On a intérêt à laisser la nuit passer sur chacun, étant donné que la nuit porte conseil, c'est rapporté même dans la Torah. Le soir, quand on va se coucher, on commence à réaliser un petit peu toutes les actions qu'on a fait dans la journée, et d'un coup on voit plus clair, il y a une certaine clairvoyance. Alors on laisse passer la nuit, peut-être que d'ici demain matin, chacun va revenir sur sa position, comme ce que la Mishnah va nous enseigner. En tout cas, tant qu'on en était donc à tendance de condamner, certes, on a arrêté les débats du procès, mais malgré tout, Hayumis Davgin Zugot Zugot, les juges restaient en deux par deux, ils restaient chacun avec sa chavruta en train de parler longuement sur ça, et en plus, au même atin, même achal, ils ne se permettaient pas ils diminuaient leur quantité de nourriture, ils n'avaient pas le droit de manger un bon repas copieux, ils mangeaient vraiment le strict minimum, c'est bien logique. Il y a maintenant leur tribunal qui risque de prononcer une sentence, une condamnation à mort, c'est très grave. Donc, même Atin, même Achal, ils mangent moins de nourriture. Velo Ayushotin Yain Kolayom, ils ne buvaient pas de vin durant toute cette journée. Venosin Venotnin Kolalayla, et ils devaient débattre durant toute la nuit, soit en Chavruta, soit tout seul, même en rentrant chez eux à la maison, on s'en dormait un petit peu, mais en tout cas, sûrement pas vivre paisiblement, comme s'il n'y avait pas aucun problème dans la vie. L'heure est très grave. D'accord ? Olmachorat, le lendemain, Mashkimin Obain le Beddin. Donc on a fini de passer cette nuit stressante où chacun devait absolument réaliser la gravité de l'heure que chacun allait condamner à mort, qui risquait de condamner à mort, et donc il devait se préparer à revenir le lendemain. Et le lendemain matin, on réunit de nouveau l'audience. Amezake Omer, donc on ramène Olmachorat, le lendemain Mashkimin Obain le Beddin. Ils se lèvent, tous les juges, et reviennent au Bet Din, au tribunal. Hamezake Omer, ani mezake ou mezake ani bimkomi. Celui qui tendait à plaider dira, j'étais un de ceux qui plaidaient hier, et je continue à plaider, à rester sur ma position. Je tends à innocenter l'accusé. Vamechayev Omer, et celui qui cherchait à inculper, condamner, alors dira, ani mechayev, moi, je pensais hier l'inculper et je suis resté au Mechayev Ani Bimkomi. Je suis resté sur ma position. Je pense qu'il faut l'inculper, le condamner à mort. Est-ce que maintenant ils ont le droit de changer de position? Alors la Mishnah nous enseigne Hamelamed Chova, Hamelamed Zchut, Hamelamed Zchut, Hamelachzor ou Hamelamed Chova. Celui qui cherchait à inculper peut revenir sur sa position et dire finalement, après une nuit de réflexion, je pense qu'en réalité il faut l'innocenter. Par contre, celui qui plaidait hier, ne peut pas revenir sur sa position pour condamner. C'est-à-dire, il faut distinguer le débat de la sentence.
pendant les débats, celui qui avait une tendance hier à disculper ne peut pas à présent revenir au débat fort comme un lion en train de vouloir crier coupable. Tu t'es. Hier, tu pensais innocenté, tu étais ferme sur ta position. Aujourd'hui, certes, tu penses différemment. Eh ben, reste de côté. Mais tu n'as pas le droit de plaider de nouveau, d'argumenter pour accuser. Tu n'as plus le droit de revenir pendant les arguments, pendant les débats. Par contre, au moment où on va se prononcer, on va compter le nombre de juges qui condamnent, là, bien sûr, celui qui accusait hier, qui disculpait hier et qui revient aujourd'hui en accusant, pourra se prononcer coupable. D'accord ? Tao Badaba. On avait un petit rappel, on avait appris dans une Mishnah précédente, je ne sais plus où exactement, tout ce Yom Tov qui rapportait que, puisqu'il a changé de position et qu'à présent il veut condamner avec un nouveau propos, alors on devra reporter la sentence au surlendemain de nouveau. C'était rapporté, je me rappelle exactement, c'est la Mishnah avec les Sofrei d'Ayanim, les scribes, les juges, combien est-ce qu'il en fallait. Là-bas, tout ce Yom Tov rapportait ça. Avala Malamed Srout, Ene Achol Arzor, le Lamed Chova. Celui qui disculpe, ne peut pas aujourd'hui revenir en argumentant pour accuser. Pendant les débats, mais après il pourra se prononcer pour condamner. Taou Badavar, si toutefois le juge qui revient affirme, certes, coupable, innocent, mais en argumentant différemment de ce qu'il argumentait hier. Alors, Shnei Sofrei HaDayanim Mazkirin Oto. Les deux scribes qui avaient noté tous les protocoles, qui avaient noté les propos de chaque juge, les positions de chacun, leur rappellent que sache que, Gvadarav, tu disais hier autre chose. T'as le droit de dire autre chose, mais en tout cas, sache que c'est pas ce que tu disais hier. T'as le droit de changer d'avis, mais voilà. Et Matsulos Khout, ensuite, une fois qu'on a fini les débats du lendemain matin. Et Matsulos Khout, Ptaru, si toutefois les juges étaient revenus convaincus qu'il fallait le disculper, on le disculpait, on l'innocentait, et c'était fini. Veim Lav, par contre, si on regarde, on constate que les avis sont partagés. Omdim le Minyan, il va falloir compter le nombre de juges qui accusent. Et le nombre de juges qui est innocente. Et là, on a la deuxième partie de la Mishnah qu'on n'a pas encore lue, on la lit maintenant. Shnei Masar Mezakin V'Achadassar Mechayvin, Zakai. Shnei Masar Mechayvin V'Achadassar Mezakin, Afilo. Achadassar Mezakin V'Achadassar Mechayvin, V'Echad Omer Ani Yodea. V'Afilo Yisrim Shnei Mezakin, O Mechayvin V'Echad Omer Ani Yodea, Yosifu Adayanim, Ad Kama Mosifin, Shnei Mishnayim Ad 71. 36 Mezakin, O 35 Mechayvin, Zakai. 36 מחייבין ו35 מזכין דנין אלו כנגד אלו עד שיראה אחד מן המחייבין דברי המזכין. On rappelle deux principes. Tout d'abord, deux principes qu'on a étudiés depuis le début de la Masechet déjà. Lorsque l'on veut condamner, il faut nécessairement une majorité nette, c'est-à-dire deux supplémentaires. Ça ne suffit pas un seul supplémentaire. Soit 23 juges, s'il y en a 12 qui vont condamner et 11 qui vont disculper, innocenté. Alors on se retrouve que maintenant, la voix de la majorité dit qu'il faut condamner, mais malgré tout, on n'a pas une différence de deux. On ne va pas pouvoir rester dans cette situation-là, il va falloir rajouter deux juges. C'est un des principes qu'il va y avoir dans la Mishnah. Et le deuxième, je l'ai oublié, c'est pas grave, ça va me revenir quand on va commencer à lire. Shnei Masar Mezakin V'Achadassar Mechayvin. Ah, oui, c'est, je me rappelle. C'est lorsqu'un juge ne sait pas se prononcer. Il dit « je ne sais pas ». Dans ce cas-là, on ne le compte pas. On compte qu'il n'est pas là. Et de ce fait, on va se retrouver avec un tribunal où il n'y a que 22 juges, 20 juges. Et ce n'est pas possible de rester dans cette situation. Il va donc va falloir ajouter deux juges supplémentaires. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver au nombre de 71, comme la Mishnah va nous le dire. Shnei Masar Mezakin V'Achadassar Mechayvin. S'il y a 12 juges qui innocentent, V'Achadassar Mechayvin, et 11 qui accusent, condamnent, Zakai, la voix de la majorité dit, qu'il est quitte, acquitté. Par contre, Shnei Masar Mechayvin V'Achadassar Mezakin. S'il y a 12 juges qui condamnent et 11 juges qui innocentent, donc la voix de la majorité tend à condamner. Mais on a un problème, c'est qu'il n'y a pas deux supplémentaires. Alors on a un problème. Idem, la Mishnah va rapporter un groupe de halachot et après donner la halacha pour chacun en disant que ça ne suffit pas, il va falloir ajouter deux juges. Deuxième situation encore. V'Afilo V'Achadassar Mezakin V'Achadassar Mechayvin. Ou encore, 11 qui disculpent, 11 qui accusent, condamnent, V'Echad Omer Ani Yodea, et un qui dit je ne sais pas. Et même plus que ça encore. V'Afilo Yisrim Ushneim Mezakin O Mechayvin. Ou même s'il y en a 22 qui innocentent, ou 22 qui condamnent, V'Echad Omer Ani Yodea, et un qui dit je ne sais pas.
Alors, on ne peut pas trancher le jugement comme ça. On ne va pas dire que de toute façon, quelle que soit la position qu'il prendra, s'il veut condamner ou s'il veut disculper, quoi qu'il arrive, on le condamnera à mort, on ne dira pas une chose pareille. Mais quoi ? Yosifu Adayanim. Bon, il faudra plutôt rajouter des juges, parce qu'il faut nécessairement un tribunal de 23 juges qui se prononce. Et quelqu'un qui ne se prononce pas, ça signifie que le tribunal n'avait pas 23 juges. D'accord ? C'est clair ? Donc on a vu trancher la voix de la majorité avec deux supplémentaires pour condamner. Il faudra rajouter des juges si on était à 12 qui condamnent et 11 qui disculpent. Et idem encore s'il y a quelqu'un qui se prononce qui ne sait pas. Ensuite, Ad kama mosifin, tu me dis de rajouter des juges. Jusqu'à combien je vais rajouter des juges ? Shnaim, shnaim, achivim ve'echad. Tu rajoutes des paires de juges, deux, des zougotes. Tu rajoutes deux par deux, tu les rajoutes jusqu'à qu'on arrive à 71 juges. C'est-à-dire, à chaque fois que tu rajoutes deux juges, on va trancher. Et si on va se retrouver en situation, on ne va pas pouvoir, on n'aura toujours pas 23 qui se prononcent pour inculper, disculper. Alors, il faudra continuer à rajouter deux juges jusqu'à qu'on arrive à 71 juges. Par contre, on arrive à 71 juges, on reste à 71, on n'ajoute plus des juges. Et qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on sera à 71? Alors, Shloshim Veshisha Mezakin ou Shloshim Vachamisha Mechaivin. Si on se retrouve dans une situation où il y aura 36 qui disculpent, qui sont innocentes, ou Shloshim Vachamisha Mechaivin, et 35 qui condamnent, donc on a la voix de la majorité pour innocenté. Zakai, il sera innocenté. Shloshim Veshisha Mechaivin ou Shloshim Vachamisha Mezakin. Par contre, si on a 36 qui vont Mechaivin, qui vont condamner, et on va avoir 35 qui vont innocenter. On a un problème. On a la majorité qui tend à condamner, mais on ne peut pas le condamner parce qu'on n'a pas de supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait ? La Mishnah nous enseigne. Danin Elu Keneged Elu. Les juges vont continuer à débattre toute la journée en train de se prouver comme des lions en rapportant des preuves de Mishnayot, de Gmarot, de Psukim, de partout, de Sifra Poskim. Ils vont tous se battre. Jusqu'à ce que quelqu'un va réussir à convaincre l'autre. La Mishnah a pris un cas de figure en disant « Danin Elo Keneged Elu » Ils vont débattre l'un contre l'autre « Ad Sheirae Echad Min HaMechayvin Divrei Mezakin » Jusqu'à que l'un des juges qui tendait à condamner va désormais disculper. Le Barthénora précise, le Bagma précise, ou inversement. Un juge qui tendait à innocenter va maintenant, si de toute façon il est devenu convaincu qu'il va falloir le condamner à mort, donc va se retrouver avec 34 contre 37 même, j'ai un petit problème, on avait 36 qui condamnaient, et 36-35, on est passé avec 1, donc ça va faire 34-37 exactement, et désormais, on le condamnera à mort, d'accord ? Donc, Shloshim Meshisha, on reprend encore une fois, Shloshim Meshisha Mechaivin, ou Shloshim Mechamisha Mezakin, s'il y a 36 qui condamnent, les Shloshim Mechamisha Mezakin, et 35 qui disculpent, donc en théorie, on a la majorité qui condamne, mais on ne peut pas se prononcer pour condamner, parce qu'il faut forcément deux supplémentaires. Danin Elu Keneged Elu, ils vont débattre les uns contre les autres. Jusqu'à que un juge qui tendait à condamner va désormais disculper, ou inversement, un juge qui tendait à disculper va condamner. C'est toutefois maintenant autre situation rapportée par le Tosafot Tov dans la Gemara. Si toutefois on se retrouve dans une situation où personne ne réussit à bouger de sa position, on reste avec 36 qui condamnent et 35, alors on ne condamnera pas à mort, parce qu'il fallait nécessairement une majorité nette avec deux supplémentaires. Vous allez me dire, si finalement 36 qui condamnent et 35 qui disculpent, on ne le condamnera pas de toute façon. Quel est l'intérêt de tellement traîner et de faire débattre les juges jusqu'à que un va revenir sur sa position? Pire que ça, on risque finalement de le condamner alors qu'on aurait pu interrompre le procès depuis tout de suite et ne le disculper. La raison, elle est rapportée dans la Gemara, par le Tosafot Tov, qu'on a un intérêt à ce que le Beit Din ne sorte pas avec une majorité qui condamne sans pouvoir le condamner. Ça fait honte au Beit Din d'avoir des juges qui n'ont pas su se prononcer de manière nette. C'est un gamme, c'est pas beau, c'est pas mechoubad. Il faut trancher les choses dans la vie. Le Beit Din, c'est la sommité qui doit trancher les choses, et ne peut pas rester en situation où finalement la majorité tend à inculper, mais que malgré tout on n'a pas pu tuer, c'est pas digne. Donc de ce fait, ils vont devoir, comme la Mishnah a dit, débattre jusqu'à que l'un réussisse à convaincre l'autre. On fait le Barthénora présent. Ma'avirin oto le machar, lorsque la tendance tendait à condamner, on reporte la sentence la prononciation de la sentence au lendemain. Ma'avirin et adin ad le machar mishumanan atadin. On reportera la décision du Beit Din, du tribunal, jusqu'au lendemain, à cause de la halakha de halanat adin, faire dormir le jugement. 12 condamnent et
11 disculpes. Vatayatra le ra'al piechad leita, et le kafre aussi fois d'ainim. Puisque atayatra le ra'a, lorsque tu penches pour le ra'a, pour condamner, al piechad leita, selon un juge supplémentaire, ça ne suffit pas de ce fait, et le kafre aussi fois d'ainim, c'est pour ça qu'il va falloir ajouter d'autres juges, des paires de juges supplémentaires. Vafilu shneim asa shneim veisrim mezakin, o mechaivin, vechad omer ni yodai aussi fois d'ainim, même si 22 vont innocenter, inculper, et un dit je ne sais pas, il faudra ajouter du juge pour quelle raison. Dehaï de Amar en Yodéa Keman de Leite Dami. Car celui qui dit qu'il ne sait pas, on considère qu'il n'est pas là. Vendanin, Dine Nefashot, Lolisrud, Lolechova, Bepachot, Mishlosha, Vesrim. Et on ne peut pas avoir un tribunal pour condamner à mort où il n'y a pas au moins 23 juges. Il faudra ajouter des zugot, des paires de juges, deux par deux. Shnaim, Shnaim. Im Nechleku, Ashnaim, Shosifu, Zelekan, Vezelekan. Si les juges qu'on a ajoutés, finalement, n'ont pas aidé pour pencher d'un côté, ouais, on a rajouté un supplément, un ici et un ici. On est arrivé à 25, on va se retrouver à 12 contre 13 de nouveau pour condamner, 13 qui condamnent, ça ne suffira pas, donc on sait rien, qu'est-ce qu'on fera? Mais Zelekan, Dakateleka, Ataya, Loletova, Alpiechad, Velolera, Alpishnaim, on va se retrouver, il n'y aura pas. On n'aura pas une majorité pour disculper ou une majorité nette pour condamner, qui sont fratsekhlo sifot shnaim, vechen achivim echad. Il faudra ajouter encore deux autres juges jusqu'à qu'on va arriver au nombre de 71. Ils devront ensuite, les juges, débattre jusqu'à que l'un réussisse à convaincre l'autre. La Mishnah prenait le cas jusqu'à que l'un qui tendait à condamner finalement va disculper en disant Deika tayal et oval piyechad. Car à présent, on pourra ensuite trancher selon la majorité. Dès qu'il y en aura un qui voulait condamner, qui va revenir de l'autre côté, on va se retrouver avec maintenant 36 qui disculpent, qui est innocente, et 35 qui condamnent, et là ce sera bon, on pourra disculper. Il en va de même si un qui cherchait à innocenter va finalement voir que les propos de ceux qui condamnent sont plus justes, et il va falloir changer de camp pour condamner. Alors, car on tient à la halakha que, au moment de se prononcer, de venir compter le nombre de juges, même celui qui est innocenté a le droit à présent de condamner. Il n'a pas le droit de débattre pour argumenter le fait qu'il faut condamner. Au moment de se prononcer, il a le droit de se prononcer, comme disait au début de la Mishnah. Vous allez me dire, alors pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de ce cas où on n'a pas pris le cas Achire Khalimina Mezakin Divra Mechaïvin, ou jusqu'à que un des juges qui innocenté va vouloir condamner. Ouais, la Mishnah aurait pu le préciser. La Barthé nous répond, Tanaz Khut Kamehader. Le Tana, c'est fréquent, on cherche à parler de manière positive et optimiste, plutôt que de parler de condamnation à mort, c'est désagréable. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzlacha, comme tout, c'est là.